Comment allez-vous? Ah, on a eu beaucoup d'échanges sur le renforcement de notre coopération, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'industrie manufacturière, la formation professionnelle, l'agriculture. Donc il y a des visions cohérentes qui se forment. Cette année-là marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Nous sommes convenus qu'il faut saisir cette opportunité pour travailler davantage, pour créer encore de plus de conditions favorables à notre partenariat. Nous avons aussi parlé du renforcement du dialogue, des échanges humains entre les deux peuples. J'ai réitéré la disponibilité du gouvernement chinois à encourager davantage d'entreprises chinoises à investir en RDC, en particulier dans la province du Haut-Katanga, dans l'amélioration des infrastructures et aussi dans le développement de nouvelles industries. Créer des conditions pour favoriser le renforcement de l'amitié entre les compatriotes chinois et le peuple katangais.